Salut à tous, c'est le grand retour de Canal Ligue Ultra. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la 7e édition de l'Ultra 01. Le top départ de cette course va être donné dans 30 minutes maintenant. La ligne de départ va se remplir tout doucement et nous, on va vous faire vivre cette course, cette Ultra 170 tout au long du week-end. On n'oubliera pas les autres courses parce que vous le savez, il y a d'autres distances bien sûr à parcourir tout au long du week-end. Mes invités ce soir, Arnold Janson, bonsoir Arnold. On vous connaissait sur un vélo. Aujourd'hui, vous êtes mis au trail. Vous allez nous raconter pourquoi. Et si vous êtes sur ce plateau, c'est que vous ne prenez pas le départ du 170, mais le départ du 100 km demain matin. Et à vos côtés, Patrice Dunan. Patrice, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Pays Gex Agglomération. Évidemment, l'ultra passe sur vos terres. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Alors nous, on a un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre ce moment tout au long du week-end. On a tout simplement 8 caméras qui vont suivre les trailers tout au long de leurs kilomètres. 2 coureurs vont les accompagner et nous, eh bien, on vous proposera des émissions jusqu'à l'arrivée du 170 avec dès ce soir cette émission pour vous permettre de vivre le départ. Et puis on sera aussi à Nantua au moment du deuxième ravitaillement un petit peu plus tard dans la soirée. On va d'ailleurs regarder le parcours de cette édition 2024 de l'Ultra 01. Un parcours qui a été un petit peu modifié cette année. Alors, le départ, lui, n'a pas changé. On est bien ici à Oyonnax, en direct du stade Maton, l'antre du rugby. Et en revanche, le premier ravitaillement se fera cette année du côté de Charix. On a rajouté un peu de difficulté, Patrice Dunan, sur les premiers kilomètres de cet Ultra. Il faudra donc passer par Charix, avoir déjà quelques belles montées, quelques belles descentes avant de rallier Nantua. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors là, c'est pas tout à fait mon secteur. Oui, mais bon, vous connaissez quand même les chemins de... Oui, bah écoutez, des parcours qui sont particulièrement difficiles malgré tout. Et voilà, il faut être courageux. Ça monte et ça descend. Les contreforts de ce Jura qui après va s'étendre sur notre secteur justement où on a 4 des 5 courses qui vont se dérouler. Exactement, le Pays Gex, on en parlera avec le départ du 65 km Pays Gex agglomération demain et effectivement toutes les courses qui vont passer notamment du côté de l'Elex demain matin. Arnold Janson, vous êtes un ancien cycliste pro, vous les avez pratiquées à vélo ces routes? Oui, donc moi c'est pas les chemins, c'est les routes que j'ai découvertes sur le Tour de l'Ain notamment, qui passaient dans le secteur. Donc là, j'ai découvert aujourd'hui quelques chemins sur la reconnaissance, mais demain je vais avoir mes 100 km de sentier à faire, donc là c'est vraiment de la découverte. Voilà, le départ du 100 km à 5h demain matin depuis Thoiry. Vous continuez de découvrir ce parcours avec Giron. Giron, on a l'habitude d'y passer. Giron, c'est en général le moment où on se dit que la course est sans doute jouée. En tout cas, c'est le dernier ravitaillement. Mais cette année, il y a encore quelques petites difficultés qui ont été rajoutées avant de revenir, de réarriver à Oyonnax demain, très probablement à la mi-journée pour les premiers tout au long de la journée, de la soirée, de la nuit aussi. Il est fort probable qu'une grande partie des coureurs passent de nuit dans les chemins. 170 trailers vont prendre le départ du 170 km dans quelques instants, ainsi que de nombreux relais. Vous le savez, c'est aussi le principe. On peut partir en équipe de 8 sur cette Ultra 01 et se relayer à chaque ravitaillement, évidemment. Alors, on espère évidemment un scénario identique à l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Patrice Dunan, parce que l'an dernier, on avait eu un duel incroyable entre Casquette Verte, Alexandre Bouchex, qui a construit en même temps que cette Ultra 01 sa notoriété, et Sébastien Châtelain, qui était un valeureux deuxième l'année dernière. Ils sont tous les deux au départ cette année, mais avant de les retrouver sans doute sur la ligne, on vous propose de revivre les très bons moments de l'édition 2023. On dirait qu'il n'a pas apprécié qu'ils lui mettent la pression dans la montée et déjà c'est une attaque violente. Il y a pas un stade Casquette Verte qui met l'ambiance. Voilà, il y a Angle à foule. Il est à fond. On a vu ce ravitaillement vraiment
très rapide. Là, ça a été vraiment express. Il est resté peut-être même encore moins de temps qu'au premier ravito. Sébastien Châtelain, qui était troisième à Nantua et qui est donc en deuxième position avec 7 bonnes minutes de retard sur le premier. Sébastien Châtelain, qui avait déjà terminé deuxième ici il y a 2 ans. Donc, qui a l'avantage de connaître le parcours, de connaître les difficultés et de savoir le gérer. Donc, ça sera probablement un adversaire redoutable pour Casquette Verte cette nuit pour le reste du parcours. C'est très très serré chez les messieurs. Casquette Verte, Alexandre Bouchec, c'est toujours aux avant-postes, mais il est vraiment, Nicolas, et c'est l'information de la nuit, au coude à coude. J'ai l'impression que notre ami Casquette Verte est en train de nous faire une petite crevaison. Il est en train d'exploser. La course est peut-être en train de tourner complètement. Pour l'instant, c'est Sébastien qui passe ici au ravitaillement de l'Elex en tête. Voilà, Alexandre qui confirme qu'il a une entorse, ça tire un petit peu, mais il ira au bout, il va aller au bout comme ça. On met un petit peu de froid tranquillement, ça grimace, mais voilà, il va se battre avec ses armes, avec cette entorse pour aller jusqu'à Oyonnax. Allez, Alex. Celui qui mène toujours la course, le 170 km, Sébastien Châtelain qui est devant Alexandre Bouchex avec environ 5 minutes d'avance. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. Et il repart, il est resté très peu. Et je ne sais pas si on réalise ce qui est en train de se passer. Les coureurs sont partis hier à 18h. Il y a 2 minutes d'écart au bout de plus de 100 bornes. C'est juste incroyable. Allez, et c'est reparti. Presque moins d'une minute, hein. C'est presque pas arrêté. Il le sait, c'est pas fini. Et le compétiteur qu'il est va tenter de faire quelque chose. Qui sont dans les 11-12 derniers kilomètres de la course. Donc maintenant, reste à savoir l'écart. 4 minutes. 4 minutes d'avance pour Bouchex. Il a fait une très très grosse remontada. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3-0, ça fait 3 victoires. Teigelman Ultra 0-1 2023. Une nouvelle victoire pour monsieur Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. Sébastien Châtelain, deuxième, la Baba Attitude. Et voilà, ça c'était le scénario 2023. Un très très beau duel entre Casquette Verte, Alexandre Bouchex et Sébastien Châtelain. Ils seront tous les deux au départ dans quelques instants. En quoi, Patrice Dunant, cette course, elle permet de voir les beautés de cette agglomération, ce département ? Cette course est d'abord un territoire qui est très propice au trail et à tout ce qui est sportif. Une autre chaîne du Jura avec sa station qui se diversifie aussi sur les activités sportives d'été. Et donc dans ce cadre-là, le 65 km by Payjax Aglo qu'on finance dans le cadre de l'Ultra Trail est particulièrement adapté. 250 coureurs, 4 cours sur 5 qui passent sur ce beau territoire. En surplomb du bassin lémanique des Alpes en face et puis de Genève qu'on voit très bien, mais les coureurs eux sont concentrés, mais peut-être ne sont pas complètement accros à la vue dans ce cadre-là, mais en tout cas ça fait découvrir un territoire riche, la vallée de la Vatserine aussi, première rivière sauvage de France, et 11 000 hectares de réserves naturelles avec des beautés incroyables. Donc on est content que le sport passe par là. J'allais y venir à ce passage dans la réserve. Alors évidemment, c'est une zone à respecter, une zone de quiétude, une zone importante aussi à préserver. Oui, justement, donc en fait on voit que c'est compatible, c'est-à-dire que quand les choses sont organisées dans le cadre de ces règles, on arrive à faire des événements qui sont à la fois respectueux de l'environnement, mais qui permettent aussi d'accueillir des événements sportifs qui finalement cadrent bien avec ces obligations de valorisation, mais surtout de préservation. Voilà, donc tu as tous ces paysages, hein, ce sera demain au cœur de la journée, hein, pour ceux qui iront le plus vite. Arnold Janson, quand on a fait 4 Tours de France, 3 Giro, une Vuelta, qu'est-ce qu'on vient chercher sur le trail ?
Bah, une nouvelle expérience, c'est sûr que bah, j'ai participé sur des belles épreuves dans le vélo, j'ai fait quasiment tout ce qui était de plus beau à faire. Maintenant dans le trail, voilà, c'est nouveau pour moi, c'est ma première vraie saison, donc je commence par des épreuves de renom quand même comme aujourd'hui, puis après essayer de faire des plus longues distances, aller chercher mes limites, hein, c'est un peu ce qu'on va chercher dans le trail, surtout sur du long. Donc ça veut dire quand on s'élance comme ça sur une course, quand on a été sportif de haut niveau, qu'on le reste, on y vient pour gagner quand même. Oui, ça reste la compétition. Après, j'aime bien faire des randonnées aussi, de temps en temps avec ma femme, ma fille. Mais voilà, quand on a un dossard, c'est différent. On a l'esprit de compétition et ça, je pense qu'on le garde à vie. Et même si aujourd'hui, voilà, j'ai 38 ans, je suis déjà un peu moins jeune, je suis quand même content de rivaliser avec des plus jeunes et puis surtout aller chercher... ben voilà, des résultats parfois qui sont anecdotiques mais qui sont quand même intéressants et pour moi c'est un petit challenge quoi. Ouais, voilà, hein, ce sera le 100 km demain pour vous avec un départ très très matinal, hein, 5h demain matin. Oui, ça pique un peu. Après, voilà, on est habitué, hein, dans le trail, c'est un peu ça. Je préfère partir demain matin à 5h que ce soir et passer les nuits dehors, j'ai envie de dire. Mais voilà, peut-être l'année prochaine. Cette année, c'est un peu juste pour moi, mais voilà, c'est mes objectifs dans le futur, de passer une nuit dehors, on va dire, en courant. Allez, on est à 19 minutes du départ du 170 km, 170 coureurs au départ. On est encore assez détente, hein, sur, à l'approche de la ligne. Dans quelques minutes, on retrouvera Ludovic Collet, bien sûr notre speaker qui va nous faire vivre cet événement tout au long du week-end. La ligne va se remplir progressivement. La mission qui a été confiée à Ludovic, c'est de trouver Casquette Verte, Alexandre Bouchex, qui est derrière moi. Oui, exactement. Il me semblait que j'avais vu la casquette pas loin. Il doit être en train de faire des selfies, comme d'habitude. Mais Ludovic a une mission, c'est de se rapprocher de Ludo. Et Ludo l'appelle. Voilà, vous voyez tout en direct. Tout se passe sous vos yeux. Et bien nous, en attendant Casquette Verte, Alexandre Bouchel, je vous propose qu'on donne la parole à Sébastien Châtelain. Sébastien Châtelain, qui était deuxième l'an dernier, je vous l'ai dit. C'est un local de l'étape. Il adore cette course. Et il aimerait bien, cette année, quand même, aller chatouiller encore un peu plus Casquette Verte. Écoutez. C'est sur celle-ci que j'ai commencé mes premiers ultras. Hein, la distance de 200 km et plus, ça a été ma première il y a 4 ans, donc c'est toujours un plaisir de revenir. On a fait étudier un petit peu les nouveautés, oui. Là, il y a quelques kilomètres en plus, il n'y a pas loin de 2000 mètres de dénivelé en plus, donc ça va être une toute autre course que les années précédentes, donc hâte de découvrir ça. Alors, j'ai toujours une petite idée dans ma tête sur l'espérance au niveau du temps que je vais mettre, mais c'est vrai que le terrain, je pense, va être assez compliqué puisque ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut. Donc va falloir être vigilant, va peut-être falloir savoir lever le pied sur certaines portions de course pour avancer le mieux possible. Quoi. Voilà, Sébastien Châtelain qui sera accompagné, hein, comme tous les ans, par son incroyable équipe, la Team Baba, qui sera avec lui tout au long de ce parcours. Vous l'avez entendu, l'une des grandes inconnues de ce week-end, de ce parcours, de cette course, eh bien, ce sera la météo. Arnold Janson attend beaucoup de pluie cette nuit. C'est quelque chose qui inquiète un peu. Oui, c'est sûr. Je crois que l'année dernière, ils ont fait la course en 19h, les meilleurs. Là, ça va être plusieurs heures de plus s'il pleut. Donc, ils en seront conscients. Donc, ça sera une course beaucoup plus difficile et la gestion sera plus importante pour eux. Quoi. Alors, l'an dernier, on doit le rappeler aussi, 19 heures de course, mais un tracé qui avait été raccourci un petit peu parce qu'on n'avait pas le vent, on n'avait pas la canicule, on avait les orages l'année dernière qui avaient obligé les organisateurs à raccourcir un petit peu pour des raisons de sécurité ce parcours, d'où des temps de parcours un petit peu réduits. On entend Cécile Bertin, sa casquette verte, elle aussi, l'assistance d'Alexandre Bouchex, qui essaye de lui parler et je me tourne. Oui, Alexandre doit faire une interview pour la télé, donc on va aller retrouver Ludo Collet. Ludo Collet tout près de la ligne qui doit être normalement en place avec casquette verte pour quelques mots avant départ. Est-ce que tu m'entends? Confirme-moi, voilà, tu m'entends. Alors normalement, je devrais avoir casquette verte. Oui, en 2024, j'ai pris énormément de poids. Et non, il est là, je le cachais. J'arrive à cacher casquette verte, c'est énorme. Annoncé pour 2024 une quatrième victoire, mon Alex. Tu connais, même si le parcours a changé cette année, c'est un parcours qui te réussit à chaque fois où tu trouves souvent sur la fin du parcours des ressources pour aller chercher le titre.
Bah là, elle est exactement là l'idée. L'année dernière, j'étais pas venu pour gagner, mais cette année, oui. Donc là, j'ai essayé de me dire que la strat, elle doit être simple. C'est, je dois rester calme jusqu'au kilomètre 80. Et au kilomètre 80, quand ça va devenir dur, parce qu'il va y avoir la flotte qui nous va avoir le lessivé, et ça va commencer à vraiment monter et descendre, elle est d'attaquer à ce moment-là. Donc il faut que, comme souvent, j'arrive à rester très cool sur la très première partie de, place, de parcours, laisser partir les gens, laisser partir les relais. C'est pas avec eux que je dois jouer. Mais par contre, au kilomètre 80, là, il va falloir, attaquer. On va essayer de se mettre un peu dedans, ça va faire du bien aussi. Ouais, ça, c'est la tactique annoncée, mais c'est la tactique que je connais. Tu seras le premier à Nantua, on sera là pour t'accueillir. Et comme tu l'as dit dans Potin Trail, dans l'épisode, souvent, tu penses à moi en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ?» Je pars trop vite, il va m'en vouloir. Mais écoute, il y a ça, mais en fait, c'est maintenant, la dernière fois... La première fois où je me suis vraiment fait mal à la cheville et que je me traîne ça depuis un an, c'était ici. Donc je peux m'en vouloir qu'à chaque fois de ici de ne pas rester concentré. Et maintenant, j'apprends à rester concentré pour pas que ça m'arrive. Donc on va voir. Peut-être que cette année, c'est l'année où je vais avoir justement la sagesse de réussir à me retenir et à pas partir comme un maboule. Après, oui, bon, la Oyonnax, c'est du bitume, donc on va voir. Mais je pars chaussettes neuves, chaussures neuves. Donc il va falloir aussi que je fasse gaffe et que je pense à ça. J'ai parlé avec le podologue juste avant. Vu ce qui va flotter, n'oubliez, ça va être des ampoules géantes. Franchement, sincèrement, je dois faire gaffe là. Je dois réellement faire gaffe. Et ça peut être cool aussi de se dire, bon, mais t'es pas premier au 80e kilomètre, mais par contre, au 110e, il va falloir l'être. Donc, ça peut être intéressant. Ce qui va être vraiment cool, c'est on va se prendre des seaux d'eau sur la gueule. Ça va être phénoménal, je pense que ça va être très très dur. Et ça, c'est sympa ça. Voilà Gaël, tu as toutes les informations, tu vois qu'il est chaud patate, il ne faut surtout pas écouter son pronostic, il va partir très très vite, c'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, on va le laisser maintenant aller s'échauffer. Allez, à tout à l'heure Alex. Merci Ludo, merci Gaël. Merci beaucoup, merci Ludo, merci Alex, bonne course à toi, évidemment. Oui, alors on n'écoute pas ce qu'il nous dit, parce qu'il nous dit qu'il va partir doucement, qu'il va faire attention et tout. Tous les ans, il nous fait la même et tous les ans, il part pleine balle. Néanmoins, il l'a rappelé, il l'a dit, des seaux d'eau vont nous tomber sur la tête cette nuit. Ça va être quelque chose qu'il va falloir gérer, à la fois pour ceux qui vont être dessous, mais aussi pour ceux qui vont partir demain matin, Arnold, comme vous, avec ce 100 km qui partira à 5h. À 7h, on aura le départ du 65 km by Pays d'Aix Agglomération. À 9h, le départ du Tiger Balm Marathon à l'Elex. On sera en direct demain matin pour le départ du marathon. Et puis, il y aura également un 25 km comme l'année dernière. Et là, le départ sera d'Oyonnax dimanche matin. On aura l'occasion de vous reparler de la météo. On a beaucoup parlé alors qu'il y a du monde ici au stade Maton. Beaucoup de monde pour le départ de ce 170 km. Beaucoup parlé des garçons. On n'oublie pas évidemment qu'il y a de nombreuses participantes, dont la vainqueur de l'édition 2023, Sarah Charles, est de retour. Elle a des ambitions, elle aussi, et elle nous les a confiées. C'était un petit peu plus tôt dans la journée. On ne se met pas trop la pression. Et puis, pour garder des forces, pas l'utiliser avec le stress. J'y vais beaucoup comme ça, mes sensations. Je vais courir en fonction de comment je me sens, tout ça. Pas partir trop vite et puis gérer l'effort et prendre du plaisir. J'ai fait l'Ultra Trail de Haute-Provence il y a un mois, enfin 5 semaines, et puis il faisait très chaud. C'était très dur, quoi, j'en ai souffert. Donc là, je me dis à choisir, vaut mieux la pluie quand même. Mais bon, s'il pouvait pleuvoir le moins possible, ce serait bien. J'ai regardé qui y avait derrière, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de points de moins d'après les points UTMB. Donc j'ai regardé, puis j'ai regardé un peu les courses qu'elles avaient faites. Et puis après, je me dis que ça veut rien dire, parce que bah, moi, l'année dernière, j'avais pas beaucoup de points. Donc je me méfie de tout le monde. Hein. Je vais donner moi le meilleur de moi-même aujourd'hui, quoi. Voilà. Voilà Sarah Charles au départ de ce 170 km. Elle qui a remporté la trace des Maquisards au mois de février, le trail de Haute-Provence en mai, le trail de la Grande Montagne en mai toujours. Voilà, elle rêve évidemment de doubler avec une victoire cette année sur cet ultra. 0-1, nos invités sont partis rejoindre la ligne de départ qui se densifie. Vous le voyez, on va entrer dans le protocole départ. Donc,
quelques instants et dans la, la présentation de ce plateau, 170 participants en solo. Il y a également des relais à 8. On vous fera vivre les arrivées demain. Et ici, vous le voyez peut-être, eh bien, le soleil est de la partie pour le départ de ce 170 km. J'espère que Ludo m'entend parce que ça va être à lui maintenant. On va lui laisser la main pour eh bien, présenter ce plateau et lancer tout doucement le protocole de départ pour cette Ultra 01, 7e édition. Ludo, si tu m'entends, c'est à toi. Ok, merci. Voilà, je sais que Gaël m'a repassé l'antenne. On est bon. Allez, j'ai besoin de tout le monde. J'aurais besoin, moi, au niveau du Haut-Bugey agglomération, pour les présenter. Même si on ne présente pas tout le monde, j'aimerais avoir Aline Hézier, Sarah Charles, Sébastien Châtelain et Alexandre Bouchex, ici du côté du Haut-Bugey agglomération. Ok, si vous pouvez venir me rejoindre là. Allez Aline, allez Sarah. Move it. Ah, move it, move it. Ça va? En forme? Comme ça? Bienvenue. Et il me manque Sébastien Châtelain. Allez, 9 minutes, le temps s'égrène. Vu qu'on a rendu les chaînes, je vais rendre l'intercom pour l'instant. Je vais rendre parce que c'est insupportable. Ouais. Monsieur Châtelain, il est où? Sébastien. Où est Sébastien? Où est Alexandre? Ah oui, derrière l'écran, là, ça y est, on est à 8 minutes maintenant, 8 minutes. Nos élus nous ont rejoints. J'aimerais... Ah, il est là, le beau gosse. C'est là, le local. Salut, mon copain. Ah, ça fait plaisir. La présentation des athlètes va se mettre en place, mais on a l'impression que Ludo cherche un peu les athlètes là. Hein. Vous le voyez dans cette dans ce stade Maton, l'antre d'Oyonnax Rugby qui a terminé 14e du top 14. Saison un petit peu ratée hein, selon son manager Joël Abd, mais quand même. Oyonnax est en top 14 et nous on profite de ce merveilleux stade pour cette 7e édition de l'Ultra 01. On va redonner la main à Ludo parce que là cette fois je crois qu'il a ses athlètes sous la main pour la présentation de cette Ultra 170. C'est mon morceau, il faudra le partager partout. Organisateur, allez, un maximum d'applaudissements pour tous. Oh là, oh là, oh là, il y a du monde. Ouais. C'est la Bigola. Oh là, oh là, oh là, il y a du monde. Ah, encore une fois. Je suis venu pour vous ambiancer, vous donner d'amour, vous embrasser. Va falloir y croire, vous dépasser. De l'énergie pour tout casser. Vous êtes stressé, faut vous motiver, vous transcender. De longues heures sur le terrain, faut pas douter. Vous ne pouvez pas kiffer. Tant bien que ce monde se divise, par votre présence aujourd'hui, vous démontrez une nouvelle fois que le sport rassemble. Soit votre couleur, religion ou travail, être présent aujourd'hui. Alors attention, ça va être à vous. Oh là, oh là, il y a du monde. Il y a deux personnes, c'est la Bigola. Oh là, oh là, oh là, il y a du monde. C'est la Bigola. Les athlètes, est-ce que vous êtes là? Ça fait hola hola. Ensemble, hola hola. Hola hola. Hola hola. Hey, hey. À tous. Allez, dans quelques jours à
après vous aurez la chorégraphie, comme ça vous ne pourrez plus sur les lignes les oublier. Merci à DJ Steph. Le morceau c'est la Migola, Ludo Collet. J'ai besoin de toute la communauté pour que ça monte sur les réseaux. Et n'hésitez pas à le télécharger. Alors attention, on va présenter 4. Mais pour moi, vous le savez, tous les coureurs sont des gagnants, hommes ou femmes. On va vous présenter les 4 plus grosses cotations, ceux qui ont déjà écrit l'histoire ici, mais il y en aura bien d'autres. Alors attention, elle arrive là, aujourd'hui pour découvrir ce 100 mètres, je vous demande de l'applaudir très fort. Elle s'appelle Aline Essier, vainqueur des Gorges de l'Ardèche, le lieu 24. Allez, elle va se présenter, c'est le moment. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Ouais. Attention. Là, je laisse avancer sous les applaudissements. Elle aura, attention, vainqueur du Tiger Van Ultra 01 2023. Vainqueur de la trappe des Maquisards 2024, Madame Sarah Charles. J'avais hâte de le retrouver, mais de retrouver toute sa team, parce qu'ils sont juste incroyables sur tous les ravitaux. C'est une famille. On pourrait l'appeler notre coulisseur à nous ici, notre coulisseur préféré. Deuxième de la trappe des Maquisards 2024. Deuxième du Tiger Ball Ultra 01, Monsieur Sébastien Chalmat. Pour nous, pour essayer de faire la passe, pas de 1, pas de 2, pas de 3, mais peut-être une 4e victoire ici sur le Tiger Man Ultra 01, l'homme des top 10 au Grand Raid de la Réunion ou top 20 l'UTMB, Monsieur Alexandre Bouchex. Hashtag quartier verte pour notre plus grand plaisir. Messieurs les élus, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire dire un petit mot, c'est pas bien grave, en tout cas, vous allez faire le décompte avec moi, ça sera le plus important. En attendant, je vais demander à tout le stade Bâton, à tous les coureurs de lever les bras, s'il vous plaît. Et je vais vous demander, il y a un an, il était là sous la tente Tiger Palm. Il nous a quittés tragiquement, malheureusement. C'est Eric de Mattei, j'ai une pensée pour lui. Et je vais vous demander de lui faire un maximum d'applaudissements. Il nous regarde de là-haut. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci. Hey. Attention, on est à 2 minutes. Allez, je vais demander aux élus de se mettre juste devant la ligne. Venez pour la photo avec tous les athlètes. Allez-y. Alex, tu peux aller avec eux. Il y aura un décalé à temps, hein. Ouais, parce que c'est décalé par rapport à... Ah. Allez, on va se rapprocher apparemment. Steph, il nous reste combien de minutes? 2 minutes. Ok, on va être un petit peu en décalage avec le temps qui est là, c'est pas grave. Le public, ça va ou pas? Oh, le public, ça va ou pas? Allez, public, j'aimerais vous voir tous les bras là, un petit peu là. Parce que ça lève. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et pour tous les 100 miles, s'il vous plaît, un maximum d'applaudissements. Allez, plus fort, plus fort, plus fort. Martin,
en quelques secondes, les annonces rapides. Ouais, je vais faire très rapide. Il y a des conditions qui sont assez compliquées cette nuit, avec beaucoup de pluie. Donc soyez vigilants, tous les passages un petit peu compliqués ont été sécurisés. Gardez bien tout le matériel obligatoire sur vous, il peut y avoir des contrôles sur la course. Vous partez pour 175 km, il y a 7 ravitaillements complets et 10 points d'eau qui vont ponctuer tout le parcours. Le balisage, il est assez resserré, environ tous les 50 mètres. Donc si vous ne voyez pas de balise pendant plusieurs centaines de mètres, faites demi-tour. Faites-vous plaisir et bonne course à tous. Merci Martin. Il y aura de la pluie mais pas d'orage. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. On ne détourne pas le parcours, on le fait en entier. Alors les coureurs, filles et garçons, est-ce que vous êtes prêts à en découdre avec le Tiger Ball Ultra 01? Il y en a deux qui vont passer la ligne. Je vous sens pas foré là. Je vous sens pas motivé. Est-ce que vous êtes motivé? Là, vous allez tous arriver au bout. Alors attention. 01 qui prennent pour cette ligue ultra. Allez, des applaudissements, des solos, des relais, et c'est parti. Allez, merci nos fermeurs. Allez, il est là, c'est ça fait un petit moment que vous avez connu, ça fait plaisir. Allez, on va se retrouver sur le plateau de Canal Ligue Ultra pour commenter les premiers kilomètres de ce Tiger Balm Ultra 01. Le départ donné sous le soleil, et ça c'est une bonne nouvelle. Ce soir, on a la chance d'accueillir Grégory Novak sur ce plateau. Bonsoir. Salut Greg. Alors Greg sera un participant du 100 km demain, comme Arnold Janson qui était là juste avant et qui manifestement est là pour gagner. Hein, il nous l'a dit. Pas moi. Un concurrent de moins. En tout cas, il a déjà lui préparé son parcours. Il connaît un peu les routes de l'Ain pour avoir fait le tour de l'Ain à vélo. Mais Grégory connaît aussi les routes pour avoir déjà couru ici. Hein. Oui, l'Ultra 01 il y a 2 ans, et puis 2 fois la trace des Maquisards aussi, et la dernière, notamment l'hiver, au mois de février. Il fait à peu près le même temps, donc c'est parfait. Oh, un tout petit peu mieux quand même, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de ce qu'on a vécu en février. Ouais. Voilà, c'était la trace des Maquisards en plein hiver. Bon là, j'ai enlevé la veste, mais bon, on va avoir beaucoup, beaucoup de pluie cette nuit. C'est l'une des informations qu'il faudra suivre tout au long de cette Ultra 170. Les premiers mètres, kilomètres de course, hein, avec la sortie d'Oyonnax, et un premier tronçon, vous l'a dit tout à l'heure, qui change un petit peu puisque jusqu'à l'année dernière le premier ravitaillement se faisait à Nantua, et cette année il y a un premier ravitaillement du côté de Charix. Le Haut-Bugey toujours bien représenté, un peu plus de dénivelé pour démarrer, des ascensions courtes, des ascensions raides, on rajoute un petit peu de difficulté pour arriver jusqu'à Charix, et Nantua ce sera le deuxième point de ravitaillement aux alentours de 21h30. On se en direct à Nantua pour vous faire vivre ce moment. Vous voyez l'une des favorites femmes ici avec le dossard 119. Elle s'appelle Aline Hézier, dossard 119, première participation sur l'Ultra 01. Elle a pas mal de courses à son palmarès. Elle ne sait pas trop à quoi s'attendre sur cet Ultra, mais voilà, elle s'était lancée et en tout cas, il faudra la suivre parce que c'est l'une des favorites. On accueille également sur le plateau Michel Mourleva, président de Haut-Bugey Agglomération. Michel, je le disais à l'instant, allez-y, prenez le micro, n'hésitez pas. On démarre sur vos terres. Ah, complètement.
complètement et j'en suis très heureux. Je disais à l'instant, dans ce stade magnifique qui nous, avec une équipe de rugby qui nous a fait vibrer toute la saison malgré la descente en Pro D2 pour l'année prochaine, mais vraiment des combattants, et aujourd'hui je retrouve ces combattants, parce que pour faire ce qu'ils vont faire, c'est franchement extraordinaire. Et puis simplement, bon, un peu de chauvinisme, mais la locale de l'étape, c'est Sarah Richard qui travaille à Aubusier Agglomération et que je soutiens de tout mon cœur. Ouais, Sarah Charles, maître nageuse, éducatrice sportive, qui défend son titre, hein, puisqu'on l'a dit, c'est elle qui avait gagné l'année dernière et qui espère boucler cette ultra en moins de 30 heures. Les premières images de cette course, casquette verte qui avait promis de ne pas partir trop vite. On ne tient jamais ses promesses, on ne l'écoute plus du tout. La tête de course féminine pour démarrer, on vous fera vivre hein, tout ça tout au long du week-end, évidemment. On le disait, Grégory, cet ultra, il a une place particulière dans votre cœur. Vous le courez, mais avec Canal, ça fait quelques années qu'on le suit particulièrement. Oui, je ne saurais même pas dire, ça doit faire au moins. Ça avait dû commencer juste avant juste après le Covid, en fait. L'année Covid avec un documentaire et ensuite avec un suivi de course. Ouais, exactement, un suivi Dailymotion aussi, donc le suivi live de la course. Et puis, on a décidé de construire des choses avec Alex Piquet, l'organisateur, à l'avenir, avec Alex qui a lancé cette Ligue Ultra. Je pense qu'on va en parler. Mais oui, il y a un lien fort, mais c'est comme ça que vit le trail aussi, avec des liens forts, avec des rencontres, avec des amitiés et puis d'abord la passion du trail. On sent que cette passion, elle dépasse aujourd'hui juste les coureurs qui prennent le départ. On sent un vrai engouement autour de cette discipline. Il y a une discipline qui monte assez naturellement. Il y a d'abord eu, mais sur plusieurs années, depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans maintenant, un boom du running en général. Et puis tout ça c'est un petit peu reporté sur le trail, avec un retour à la nature, avec une envie de grands espaces. Et puis effectivement, on le voit, la plupart des courses affichent complet régulièrement. C'est de plus en plus difficile de trouver des dossards où il y a des courses qui se créent, et ça c'est top. Et puis parce qu'il y a effectivement un esprit particulier, je trouve, sur le trail, un esprit d'entraide, un esprit collectif, un regard moins souvent collé sur la montre et sur le temps. On est là pour autre chose. Donc oui, tout ça est en train de déborder et touche des gens aussi qui voient le dépassement de soi en faisant du trail. Ouais, effectivement, hein, c'est tout ça que ça rassemble, ce trail. 1814 inscrits cette année, c'est 300 de plus que l'année dernière. Donc on le voit ici sur les terres du Haut-Bugey. De l'un, cet engouement. Michel Mourleva, parlez-nous un petit peu de la première section, là, puisqu'on voit ces images en direct, tête de course féminine, avec Aline Hézier d'Ossard 119 et puis Alexandre Bouchex, qui vous l'avez entendu dans les mots tout à l'heure de Ludovic Collet, va essayer de décrocher une quatrième victoire. Là, on est en direction de Charix. C'est une petite nouveauté hein, cette année. Oui, puisque le parcours a changé. Alors Charix, c'est un magnifique petit village avec je vais vendre mon territoire parce que je l'adore, mais donc qui passe à proximité du lac Genin. Que les trailers d'ailleurs connaissent bien, puisque le trail des Maquisards passe par le lac Genin. J'ai eu l'honneur d'ailleurs d'en donner le départ à Nantua cet hiver. Donc franchement, oui, comme vous le disiez très justement, je pense que c'est un sport qui, au-delà du chrono, aujourd'hui fédère les gens. Courir aujourd'hui, c'est pas le plus compliqué, ça demande pas un matériel extraordinaire, et pour autant tout le monde, tous ceux qui le souhaitent peuvent courir. Et je trouve qu'ici on avait des coureurs, mais on a aussi des spectateurs. Je pense que tous ne sont pas des champions, et pourtant l'engouement est là, quoi. Et tout le temps, j'ai toujours vu cet engouement. Je reparle simplement du trail de Maquisards où c'était fabuleux, vraiment une épreuve fantastique. En plus, c'est un thé d'histoire, bien évidemment, mais ce sont vraiment de très belles épreuves. Très très belles épreuves. Ouais, cette trace des Maquisards au mois de février, dans un autre contexte que vous avez aussi faite, Grégory, qui passe sur ces mêmes tracés. Et puis il y a cette histoire qu'on doit ressentir fortement. Hein.
Pendant la trace des Maquisards, bah oui, évidemment, on est sur les lieux de la résistance. On sait qu'on est en plein, en pleine commémoration du débarquement de 44. Et il y a toute une mise en scène aussi autour de la course avec les défenseurs de, enfin les défenseurs, ceux qui entretiennent la mémoire, en tout cas, des Maquisards qui se trouvent dans la forêt, qui recréent des camps de Maquisards. C'est vraiment des grands moments. Donc tout ça, ça fait travailler un petit peu les neurones. Et je parlais d'évasion. C'est une évasion globale, parce que moi je suis pas de l'Ain, mais je peux vous dire que quand vous courez dans cette région, que vous montez sur les hauteurs, que vous dominez les lacs, que vous êtes dans les forêts de sapins, bah, ça vous fait oublier d'abord la douleur de vos jambes, c'est toujours agréable. Et puis oui, on découvre de nouveaux territoires. Et puisqu'on parlait donc des Maquisards, bah, ça permet aussi de travailler un peu la culture, comme quoi sport et culture ce sont deux disciplines pas du tout antagonistes. Ouais, ça fait souvent bon ménage, effectivement, on doit le rappeler. Alors qu'on commence à passer dans les forêts, dans les sous-bois, je vous le disais, ce premier tronçon, 13 km 500 entre Oyonnax et Charix, avec 680 mètres de dénivelé positif. C'est l'une des grandes nouveautés de cette ultra version 2024. On a ajouté 2000 mètres de dénivelé positif, hein, rien que ça. C'est ce que j'ai vu, ce qui donne encore plus de force d'ailleurs à cette épreuve, qui nous rapproche d'ailleurs, je crois, des grands trails tels que celui du Mont Blanc, hein, oui, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Ah ouais, non mais vraiment chapeau. Enfin, moi je suis admiratif, vraiment. Alors on a parlé de ce premier tronçon jusqu'à Charix, ensuite on aura Charix jusqu'à Nantua, 18 km 500, 785 mètres de D+, encore une petite zone inconnue, méconnue des coureurs, et puis après on retrouvera ce passage tout en haut là, qui surplombe le lac, absolument magnifique. J'espère qu'ils n'arriveront pas trop tard pour voir coucher de soleil, les premiers pourront peut-être le voir ce soir. J'espère surtout que le temps sera de la partie, parce qu'effectivement, quand ils vont arriver au-dessus de Nantua, si c'est sous la pluie, ça va pas être facile pour les coureurs. Donc moi je croise les doigts pour qu'ils aient le même temps qu'ici, parce qu'effectivement le paysage est splendide. Je suis pas sûr qu'ils auront beaucoup le temps de le regarder et de l'admirer, mais en tout cas oui, c'est un très beau parcours. Après, ils n'admirent pas forcément, mais ils le disent souvent, Cascade Verte, hein, cette arrivée sur Nantua quand on surplombe le lac est quand même assez géniale, assez incroyable. Ils sont où là, Michel Manleva, vous savez où ils sont là, dans ce sous-bois? J'ai du mal à... Juste à la sortie d'Oyonnax. Bon, en tout cas, ça court encore pas mal. Ouais, ça court et on salue, nos cadreurs, coureurs qui vont eux aussi donner de leur personne, hein, tout au long de ce 170 km. On a 8 caméras qui vont filmer beaucoup avec les coureurs, qui vont les suivre et qui vont vous proposer un maximum d'images. On sera ensemble lors du deuxième ravitaillement à Nantua aux alentours de 21h30. Vous nous suivez bien sur les réseaux sociaux, hein, pour avoir les horaires exacts. C'est un peu compliqué de vous donner des horaires exacts pour le moment. Ça va un peu dépendre de l'allure des premiers, notamment, mais vraisemblablement autour de 21h30 pour une petite heure pour le passage du deuxième ravitaillement. Je vais y arriver, hein, parce que l'an dernier c'était le premier, là ce sera le deuxième. On se retrouvera également demain matin à 8h45 pour vous raconter tout ce qu'il s'est passé cette nuit qui s'annonce particulièrement compliquée, beaucoup de pluie annoncée. Grégory, quand on part comme ça avec un petit sac à dos, avec un matériel obligatoire, est-ce qu'on a de quoi affronter la pluie? Alors on prévoit, oui, parce qu'en fait on passe depuis 15 jours à regarder la météo. On sait que ça évolue vite et beaucoup, mais les derniers jours, les dernières heures, on regarde évidemment comment la météo est appelée à évoluer. Et puis on prévoit la veste de pluie, on prévoit la casquette, pas forcément verte, mais la casquette. Et puis je vais même vous dire, moi j'ai même prévu un bonnet pour les hauteurs au cas où on ne sait pas trop comment ça va être demain matin. Donc quand on sera au grand credo là-haut et tout, si ça souffle un petit peu, et c'est prévu de souffler pas mal. Voilà, on a un petit technique aussi pour avoir chaud, parce qu'une fois qu'on... En fait, être mouillé, c'est pas tant le problème, c'est être mouillé, avoir froid aussi, et là on commence à lutter, à l'épuiser dans les ressources mentales, et si déjà on est en difficulté dès les premiers kilomètres, c'est très très compliqué, quoi. Oui, parce que le sang il démarre assez rapidement avec le grand credo.
On démarre comme ça, ouais. Là, cette année, il a changé par rapport à il y a deux ans, le parcours a, oh bah, a c'est changé. Trop facile sinon. Oui, bah oui, déjà, c'est vrai que c'était très facile. Donc, on va démarrer tout de suite. De toute façon, sur les 50 premiers kilomètres, il y a à peu près 3500 des plus. Donc, c'est en gros les deux tiers du dénivelé positif sont sur la première moitié du parcours. Alors qu'on est toujours avec Aline Hézier d'Ossard 119 qui nous l'a dit ce matin, hein, on l'a croisée quand elle a récupéré son dossard, elle préfère la canicule, elle aime bien courir quand il fait chaud, mais son objectif ultime à elle, c'est pas forcément de gagner, c'est de terminer, et c'est avec cette Ultra 01 qu'elle démarre son année 2024. Donc voilà, elle cherche à se jauger un petit peu. Casquette verte, lui, eh bien, mène la danse. Alexandre Bouchex, hein, qui continue d'impressionner, je le disais tout à l'heure, il a construit une partie de son histoire ici, et l'ultra se construit aussi autour de lui. C'est assez donnant-donnant en termes de communication. Bah, déjà, il a créé un personnage. Et on sait, à l'époque dans laquelle on vit, que les personnages ont évidemment une audience sur les réseaux sociaux. Un personnage qui plus est très sympathique. Et puis, il gagne. Donc, je sais, parfois, tout ce qui accompagne les performances de casquette verte, le fait de lui reprocher d'être sur des plateaux peut-être un petit peu moins relevés. Je rappelle quand même qu'il a fait un top 10 à la Diag, un top 20 à l'UTMB, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, quand on court un peu, on sait ce que ça représente, parce qu'on finit très, très loin derrière. Et c'est quand même... Il a atteint un très, très gros niveau. Il borne énormément. Il a fait, il a encore participé la semaine dernière à un record de longueur 20, sur piste, 24 heures. À Paris, ouais, voilà, il y avait Mathieu Blanchard. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que le personnage casquette verte, c'est dans la reconnaissance des meilleurs, dans les yeux des meilleurs, qu'on voit ce qu'il représente. Et aujourd'hui, il a trouvé une place parmi eux. Il n'a pas encore vraiment matché sur une grosse épreuve pour la gagne. Enfin, déjà, encore, je le répète, le Grand Raid de la Réunion, faire top 10 sur le Grand Raid de la Réunion, c'est exceptionnel. Il n'ira pas cette année, mais nul doute qu'il retournera très bientôt. Lui qui, notamment, effectivement, a fait son record des 24 heures la semaine dernière, a traversé le désert d'Atacama en novembre dernier, 490 km seul au milieu du désert. Bon, voilà, il a fait l'Ultra Trail du Mont Fuji aussi cette année. Il s'est donné quelques... Il a plein de défis hyper sympas, et en fait ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ce désir d'évasion, ce retour à la nature. Voilà, et alors là il a fait le Mont Fuji, donc évidemment c'est assez loin, mais il fait plein de choses autour de chez lui. C'est un Parisien, il faut quand même le rappeler, hein. Il s'entraîne à la Butte Montmartre. Alors ça m'entraide à la Butte Montmartre, mais c'est pas la même chose que de s'entraîner dans le Jura ou dans les Alpes. Et c'est aussi son mérite. Et pour le connaître un petit peu, c'est vraiment un mec ultra sympa, et pour moi il véhicule une super image du trail, et il entraîne avec lui plein de gens, une autre population aussi, de gens qui sont pas forcément intéressés au départ, soit par le running, soit par le trail, mais qui aiment son personnage un peu BD, un peu Avenger quelque part, en fait. Surtout que ça fait à peine 10 ans hein, qu'il s'est mis au trail sur un coup de tête, comme ça, la machine à café, un défi, il s'est mis à courir, et puis il en a voulu plus, tout le temps plus. Il fumait, il s'est arrêté de fumer aussi. Voilà, il a construit cette image. Et je tiens à rassurer celles et ceux qui nous regardent. J'ai pas pris position aujourd'hui en étant habillée tout en vert, vraiment. Je n'essaye pas de concurrencer Cécile Bertin, qui est l'assistante d'Alexandre Bouchex sur cette course. Hein. Elle avait commencé à ses côtés l'année dernière, ici même. Mais simplement parce que vous avez vu ce logo qui s'affiche en haut, le logo de la Ligue Ultra, cette nouvelle ligue dont on va parler un instant, Grégory, et dont les couleurs sont le noir et le vert. Donc j'avais un blouson noir tout à l'heure, je l'ai enlevé parce qu'il fait bon. Voilà pour le vert, et j'ai tilté en arrivant en me disant oui, bon là on va croire que tu as pris position. Cette Ligue Ultra, Grégory, c'est l'étape de l'Ultra 01 et la première étape de cette ligue. C'est une nouveauté, on peut en parler un petit peu? Alors donc, celui qui en parlerait le mieux, c'est Alex, il aura l'occasion de le faire, je pense, à l'expliquer. Ça vient de lui. Alex, c'est un passionné, c'est un hyperactif
qui a plein d'idées, qui a envie de créer des choses pour les autres. Et donc, quand il organise ses courses, il le fait évidemment pour les autres, pour nous faire profiter un petit peu de tout cet environnement et donner du plaisir à énormément de monde. Il avait organisé donc l'Ultra 01, la Trace des Maquisards. Il a envie de créer une ligue qui soit quand même relativement grand public. Avec, je vais essayer de faire court et de bien l'expliquer, quatre grandes courses, quatre ultras, l'Ultra Trail de Haute-Provence, l'Ultra 01, et puis deux courses encore qui sont en gestation, qui restent à définir. Et l'idée, c'est pour les inscrits de terminer ces quatre ultras sur deux ans et de pouvoir, grâce à ça, participer à un tirage au sort et de se voir offrir le déplacement et le dossard pour une grande finale à Moréa, à Tahiti. Donc voilà, en gros l'idée, c'est une belle idée et nous on avait envie de l'accompagner et on va l'accompagner là-dessus. Voilà, avec Canal qui s'engage aussi sur cette Ligue Ultra, donc cette Ultra 01, première des quatre épreuves pour tenter une qualif pour ces Ultra Finals du côté de Moréa à Tahiti. Après, bien tous ces Ultras, évidemment, donc vous avez encore un peu le temps de vous entraîner, de vous y mettre, mais il ne faut quand même pas trop tarder parce que ça demande un peu de préparation, un peu, tout ça, ouais. Un petit peu. On le dit, Canal accompagne l'Ultra 01 depuis longtemps maintenant et Canal renforce son offre sur le trail avec désormais une émission dédiée. Alors il y avait un grand rendez-vous trail sur Canal, on parlait du Grand Raid de la Réunion, c'est une épreuve qui est produite par Canal Réunion tous les ans, qui avait une place évidemment importante et qui a pris une place de plus en plus importante sur nos antennes. On a vu que ça marchait, on a vu que l'intérêt de nos abonnés était croissant pour ce Grand Raid de la Réunion et donc ça nous avait donné envie de proposer un petit peu plus de trail et un petit peu plus régulièrement. Ça s'est fait, tu le rappelais Gaël, avec l'Ultra 01, avec ce doc, avec ce flux Dailymotion aussi. Et donc d'élargir un petit peu pour donner à nos abonnés des habitudes vis-à-vis du trail, une connaissance aussi, un peu de pédagogie. Un peu de pédagogie autour de la discipline. Michel Leva nous montre Sarah Charles qui a pris la tête de l'ultra côté femme. Voilà. Vous l'encouragez. Et ça monte bien. Et ça monte bien. Ça monte bien. Et donc on va créer une émission. Non, pas de problème. Place au direct, primo direct. L'émission Trail 360 qui va débuter le 26 juin à 21h sur Canal Plus Sport 360. C'est un rendez-vous mensuel. La première émission sera très orientée autour de cet Ultra 01. L'idée à chaque fois, c'est évidemment pas de diffuser en direct les disciplines. On laisse aux organisateurs le soin de le faire, c'est très bien fait. Nous, on va décrypter les courses et puis essayer d'apporter un maximum d'informations sur tout ce qui fait l'écosystème du trail, les infos du trail, en décryptant en plateau ces courses. On reviendra sur les plus belles images. On parlera évidemment de la Ligue Ultra avec Alex. Et puis, on est en train d'essayer de monter un plateau un peu sympa pour commencer. Je peux vous dire déjà qu'il y a Blandine Hirondelle qui est peut-être la meilleure, une des meilleures françaises en tout cas du trail, qui participera notamment à cette émission. Émission présentée par Ludovic Derouin. Exactement. Voilà, 26 juin à 21h, quand vous aurez envie de revoir cet Ultra 01, une fois qu'il sera terminé, ce sera le rendez-vous à suivre. Mais cet Ultra, il vient de commencer à peine. 21 minutes et 46 secondes de course. Le départ a été donné ici, au stade Maton. C'est le lieu de départ. De ce lieu d'arrivée d'ailleurs de cet ultra pour les coureurs, 170 au départ plus les coureurs qui font cet ultra en relais, des relais du 8 où l'on peut se relayer à chaque ravitaillement. Et les relais, c'est toujours aussi, on les suivra demain à leur arrivée, de grands moments d'émotion quand ils se retrouvent ici dans ce stade Maton et que généralement ils passent la ligne tous ensemble. Voilà, on découvre les bois, les sous-bois, Michel Morleva, du Haut-Bugey. Il a du mal à les reconnaître quand même. C'est difficile de reconnaître comme ça sur le... Voilà, moi, je suis la favorite, là, je suis très heureux. je voulais simplement dire un mot, vous l'évoquiez, mais je crois qu'elle expliquait aussi, il a cette capacité à fédérer.
fédérer une équipe, parce qu'effectivement quand on voit l'organisation que ça demande, enfin pour suivre un petit peu les choses, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette capacité qu'il a à aller chercher les gens, les fédérer et à leur donner envie. Et ça, je voulais vraiment le faire de manière forte, mais le remercier en tout cas pour cela. Effectivement, Alexandre Piquet, le directeur de cette course, hein, qui sera sur ce plateau sans doute un petit peu plus tard dans la soirée ou demain matin. En général, c'est lui l'habitué de la matinale à 8h45. Donc, il viendra nous reparler de l'histoire de cette Ultra, de la Ligue Ultra aussi, puisqu'effectivement, on doit saluer le travail de toutes celles et ceux qui font que cette Ultra peut avoir lieu cette année encore. Les nombreux bénévoles, tous les lieutenants, toutes celles et ceux qui ont balisé le tracé cette semaine. Qui l'ont sécurisé. On entendait, peut-être vous l'avez entendu tout à l'heure au moment du départ, Martin Marvy qui a rappelé que tous les lieux un peu dangereux ont été sécurisés. Et bien sûr, la direction de course est en alerte et sera en alerte toute la nuit en cas de grosse pluie pour éventuellement bien faire évoluer le parcours s'il est nécessaire de le faire, comme ça avait été le cas l'an dernier à cause des orages où la montée du Mont-Toiset avait été éviter pour éviter les orages, éventuellement peut-être la foudre. Voilà, c'est cette ultra qui est bien partie maintenant et que l'on va suivre tout au long de cette soirée, demain également. Les trailers qui sont maintenant en direction de Charix, ce sera le premier ravitaillement au bout de 13 500 km avant de rallier Nantua, ce magnifique lac, mais quelques difficultés pour rallier Nantua puisqu'il faudra passer par la Roche Merveilleuse. Il paraît que c'est un point de vue assez incroyable. Vous confirmez, Michel Morlevard? Ah oui, je confirme, oui, c'est un point de vue magnifique. C'est pour ça que je vous dis, ils vont en avoir plein les jambes certainement, mais en tout cas plein les yeux, ça c'est sûr. La Roche Merveilleuse, un passage sous le viaduc de Nérolles. Pour celles et ceux qui prennent l'autoroute, eh bien, l'autoroute des Titans passe par ce viaduc de Nérolles. Et puis une remontée vers Nantua. Et ensuite, on rattrapera le parcours des années précédentes avec la descente des Fècles et ce ravitaillement au bord du lac, aux alentours pour les premiers de 21h30, 22h. On sera évidemment en direct pour vous faire vivre ce moment. Moi, je reste ici à Oyonnax, mais Ludovic Collet sera du côté de Nantua pour vous montrer les premiers qui vont passer, les premières réactions, l'ambiance aussi qui sera assez incroyable, comme toujours du côté du lac. On va se quitter pour l'instant. Merci à tous les deux. On a le rendez-vous pour Trail 360. Ce sera donc le 26 juin à 21h, quasiment 100% Ultra 01, donc vous ne le manquez pas. Bonne chance pour demain. C'est gentil. Grégory, nous on est là jusqu'à fin de journée, mais bon, on prendra des nouvelles. Ouais, il est possible que j'arrive une fois que vous serez au resto. Quand on sera au resto, mais on suivra toujours sur Live Trail, puisque c'est avec Live Trail que vous pouvez suivre aussi chaque coureur en particulier. Nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le Dailymotion de Canal pour les émissions. Et on se retrouvera, je vous le dis, aux alentours de 21h30. Restez attentifs aux annonces sur les réseaux sociaux. On vous donnera l'heure précise tout à l'heure. On va se quitter avec, si vous nous avez pris un petit peu en retard, les images du départ. C'était il y a 26 minutes et nous, on se retrouve dans la soirée. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.